Le martin-pêcheur est un oiseau aquatique connu pour sa beauté et ses habitudes de pêche. Voici une description du martin-pêcheur. Apparence, le martin-pêcheur est un oiseau de petite à moyenne taille, mesurant généralement entre 17 et 20 cm de longueur. Il possède un corps compact et élancé, avec une tête large et un bec long et pointu. Son plumage est d'une grande variété de couleurs vives, allant du bleu électrique au vert émeraude, en passant par le blanc, l'orange et le roux. Les parties supérieures du martin-pêcheur sont généralement plus colorées, tandis que les parties inférieures sont plus claires. Les mâles et les femelles ont une apparence similaire, bien que les mâles puissent présenter des couleurs légèrement plus vives. Habitat et répartition. Les martins-pêcheurs se trouvent dans le monde entier, à l'exception des régions polaires. Ils préfèrent les habitats d'eau douce, tels que les rivières, les lacs, les étangs et les marais, ainsi que les côtes maritimes et les estuaires. Ils sont souvent associés à des zones où les poissons abondent, car ils se nourrissent principalement de poissons. Comportement, les martins-pêcheurs sont des oiseaux solitaires et territoriaux. Ils sont connus pour leurs compétences de pêche impressionnantes. Perchés sur une branche au-dessus de l'eau, ils scrutent attentivement la surface à la recherche de poissons. Lorsqu'ils repèrent une proie, ils plongent rapidement en piqué dans l'eau, en utilisant leur bec pointu pour attraper le poisson. Après avoir capturé leur proie, ils retournent généralement sur leur perchoir pour l'avaler entier ou le décapiter en le frappant contre une branche. Adaptation à la vie aquatique. Les martins-pêcheurs sont remarquablement adaptés à la vie aquatique. Leurs pattes courtes et puissantes sont idéales pour se percher sur des branches au-dessus de l'eau et pour nager. Leurs plumes sont spécialement conçues pour être hydrodynamiques, ce qui leur permet de plonger rapidement et efficacement dans l'eau. Nidification. Les martins-pêcheurs construisent généralement leur nid dans des terriers creusés dans des berges ou des talus près de l'eau. Les tunnels du nid peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de longueur. Les martins-pêcheurs utilisent leur bec puissant pour creuser ces terriers. À l'intérieur du terrier, la femelle dépose habituellement entre 4 et 7 œufs blancs qui sont incubés par les deux parents pendant environ 2 semaines. Thank you.
Régime alimentaire. Comme leur nom l'indique, les martins-pêcheurs se nourrissent principalement de poissons. Cependant, ils ne se limitent pas seulement aux poissons, ils peuvent également se nourrir de crustacés, d'amphibiens, d'insectes aquatiques et parfois même de petits oiseaux ou de mammifères. Après avoir capturé leur proie, ils peuvent la manipuler habilement en la lançant en l'air pour l'assommer avant de l'ingérer. Distribution mondiale. On trouve des martins-pêcheurs dans le monde entier, à l'exception des régions polaires. Ils sont particulièrement abondants dans les régions tropicales et subtropicales, mais certaines espèces se trouvent également dans des habitats plus tempérés. Chaque région a ses espèces de martins-pêcheurs spécifiques, adaptées à ses conditions environnementales. Importance écologique. Les martins-pêcheurs jouent un rôle important dans les écosystèmes aquatiques. En se nourrissant de poissons, ils aident à réguler les populations de ces proies, contribuant ainsi à maintenir l'équilibre des communautés aquatiques. De plus, en creusant des terriers pour leurs nids, ils fournissent des habitats supplémentaires pour d'autres espèces d'oiseaux, de reptiles et d'invertébrés. Les martins-pêcheurs émettent un chant distinctif, souvent décrit comme un « kikiki » ou un « kirkirkir » strident. Leurs appels sont utilisés pour la communication entre les individus et pour délimiter leur territoire. Diversité des espèces. Il existe plus de 90 espèces de martins-pêcheurs à travers le monde, appartenant à la famille des Alcedinida. Ces espèces présentent une grande variété de tailles, de couleurs et d'habitudes de vie. Certaines espèces, comme le martin-pêcheur géant, Megasril maxima, peuvent atteindre jusqu'à 45 cm de longueur, tandis que d'autres espèces plus petites mesurent seulement 10 à 15 cm. Migration. Certaines espèces de martins-pêcheurs sont migratrices, voyageant sur de longues distances pour trouver des habitats propices à la reproduction et à l'alimentation. Ils peuvent parcourir des milliers de kilomètres chaque année entre leurs aires de reproduction et leurs aires d'hivernage. Ces migrations sont souvent influencées par les changements saisonniers et les disponibilités alimentaires. Communication visuelle. Outre leurs appels, les martins-pêcheurs utilisent également des signaux visuels pour communiquer entre eux. Les parades nuptiales, par exemple, impliquent des mouvements de la tête, des ailes et du corps, ainsi que des affichages de couleurs pour attirer un partenaire.
Ils peuvent également utiliser des postures spécifiques pour signaler leur état d'alerte ou de menace envers les intrus. Adaptation anatomique, les martins-pêcheurs sont dotés de plusieurs adaptations anatomiques qui les aident dans leur mode de vie aquatique. Leurs yeux sont situés sur le devant de la tête, ce qui leur permet de voir clairement sous l'eau lors de la recherche de proies. Leur bec long et pointu est idéal pour attraper et tenir fermement les poissons. De plus, ils possèdent une glande située à la base du bec qui sécrète une substance huileuse. Ils utilisent cette huile pour imperméabiliser leurs plumes et rester ainsi au sec lorsqu'ils plongent dans l'eau. Symbolisme culturel, les martins-pêcheurs sont souvent considérés comme des symboles de chance, de prospérité et de stabilité dans de nombreuses cultures à travers le monde. Leur beauté et leur agilité ont inspiré des représentations artistiques, des contes et des légendes dans de nombreuses traditions. Les martins-pêcheurs sont des oiseaux remarquables, à la fois pour leurs adaptations physiques à la vie aquatique, leur comportement de pêche spécialisé et leur importance culturelle. Leur présence apporte une touche de couleur et de vivacité aux écosystèmes aquatiques et ils continuent d'émerveiller les observateurs de la nature par leur grâce et leur habileté.